Bonjour à tous et bonjour aux Gémeaux. Bienvenue sur votre tirage du mois d'août, pardon, 2022. Donc, si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien, j'espère que cette guidance, ce tirage vous parlera. Bien sûr, nous sommes sur un tirage général. Donc, prenez ça avec discernement. Ça ne pourra pas parler malheureusement à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Laissez le reste. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, eh bien, je vous invite à aller voir dans vos autres signes de votre thème astral. Nous avons une certaine influence par rapport à la Lune, par rapport aux astres. Et donc, des fois, bah, l'ascendant, ça influence beaucoup. Le descendant, ça influence aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut complémenter, on va dire, pour avoir une information un peu plus large, d'aller voir les autres vidéos, d'aller voir les autres tirages. Voilà. Alors, nous allons commencer par vos énergies en général. On va regarder ceux qui sortent. Et puis, je voulais d'abord aussi vous remercier. Tous ceux qui se sont abonnés, nous avons atteint depuis hier les 7000 abonnés. Un grand, grand merci, vraiment fantastique. Je ne pensais pas quand j'ai commencé cette chaîne, il n'y a même pas un an, qu'on arriverait aussi vite à ce nombre d'abonnés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me mettent des likes, qui me mettent des commentaires. Merci beaucoup pour vos commentaires, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Mais des fois, bon, ça met un peu plus de temps. Et puis, merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée parce que vraiment, c'est un agréable moment que je passe avec vous et que je partage, bien sûr, vos histoires et j'essaye de vous aider comme je peux. Et en général, jusqu'à présent, je n'ai eu que des bons retours. Donc, merci à vous. Et voilà, je ferai certainement un live pour remercier tout le monde. Voilà, allez, on va démarrer pour les Gémeaux. Donnez-moi des messages pour le mois d'août 2022. Ben, ça sort, hein? Oui, ça sort. Bon, alors, c'est un petit peu la danse, si j'ai l'impression, hein? Alors, on a l'entourage. On a... C'est la sortie dans ce sens-là. Donc, je vais les prendre un peu comme ça. Bon, alors, c'est un peu... Vous voyez bien? Oui. De toute façon, je vais repasser la caméra pour que vous voyez mieux. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on est de toute façon dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ. Un nouveau départ d'ailleurs auprès de votre entourage. Alors, ça peut être la famille, le travail, les amis, le monde, le social. Oui, alors on me parle, vous voyez, il y a quand même ici une histoire, une idée que ça bouge. Peut-être un déménagement pour certains. Moi, je vois un nouveau départ. Alors, il y en a qui vont quitter peut-être quelque chose, un lieu. Il y a du retard. Je n'allais pas vous dire qu'il y a du blocage. Ça a peut-être bloqué un petit peu pour que ça arrive. Mais on va y arriver. On a derrière la stabilité. Vous allez vous sentir comme un petit poisson dans l'eau. On a définitivement un déménagement. C'est pour ça que je la mets. Parce qu'on a le bateau et la maison. Donc, les Gémeaux, il y a du déménagement dans l'air. Pour moi, c'est quelque chose que peut-être que vous avez mis en place. Ça a duré, ça a tardé, j'allais vous dire. Mais là, c'est bon. C'est bon, ça va se faire. Peut-être grâce à quelqu'un de votre entourage qui vous a aidé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient. Moi ici, vous voyez, en dos deck, j'ai quand même une femme qui est là, qui est peut-être là pour vous soutenir moralement et même à vous aider à déménager. En tout cas, les Gémeaux, pour moi, il y a un grand, grand changement dans votre vie, ça bouge énormément. Avec du retard, vous avez attendu ça peut-être depuis un bon moment, il y a certainement eu des blocages, il y a eu des choses qui ont coincé, mais là, on repart vers le bien et... la stabilité, vous allez bien vous sentir, vous allez, bon, on parle toujours d'abondance, mais l'abondance, ça ne veut pas dire les richesses, ça veut dire que vous allez vous sentir mieux, que vous allez avancer, j'allais dire que vous allez un peu nager dans le bonheur, en gros, pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens. En tout cas, ce déménagement, ça va vous changer la vie. Bon, alors, on va aller regarder avec le tarot. Pour vous, je me le note. Les
Donnez-moi des messages pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Regardez un petit peu l'état d'esprit, le tarot, les choses qui vont se passer. Allez, ça va bien. Donnez-moi des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je crois que j'allais les chercher. Bon, ouais, ça finit par sortir. Quand on les menace, elles sortent. Ah, vous voyez, regardez, hein, j'ai quand même de la progression. Il y a de nouveaux projets, hein, c'est bien ça. On est vraiment sur un investissement, sur une proposition. Il y a des nouveaux projets qui avancent. Alors, projet de déménagement sûrement, mais aussi peut-être professionnellement. Parce que, vous voyez, j'ai de la concrétisation, de l'opportunité, l'abondance encore. Donc, vous allez vous sentir. Les choses se concrétisent pour vous. Hein. Ça me le confirme. On a l'intuition. Le mystère peut-être aussi. J'allais vous dire, suivez votre intuition dans le choix que vous allez faire. Il y a des propositions, hein. On vous dit, il va falloir évaluer les choses par rapport peut-être à ce qu'on vous propose. Être stratégique. Je pense que c'est ça en ce moment. Vous êtes en train d'évaluer, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de vous investir dans quelque chose, mais ça se concrétise. Hein. Et vous voyez, on vous dit avec le pendu, il faut voir, les choses étaient peut-être en suspension. C'est un petit peu ça. Ça me confirme qu'il y a eu des blocages dans le sens où ça ne s'est pas mis en place tout de suite. Et là on vous dit, bon, il va falloir peut-être voir les choses différemment, mais vous avez peut-être fait un sacrifice en attendant, mais ça va se concrétiser. Voilà, vous voyez, on l'a là. Et moi, j'ai quand même ici le 9 de coupe qui sort et qui me dit ben, il y a de la satisfaction, il y a de la plénitude et que les souhaits vont être réalisés. Donc là, on est vraiment sur votre histoire de déménagement. C'est pour ça que je garde cette colonne. C'est un peu l'histoire pour vous, les grands traits. Et là, on est vraiment sur de la concrétisation. Un projet de déménagement qui va se faire. Alors, peut-être que c'est une maison, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, et là, vous la trouvez, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça bouge. Et moi, je suis sur un nouvel appartement, une nouvelle maison, en tout cas sur quelque chose de nouveau qui impose un déménagement, peut-être un départ, et on voit qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en route. Alors, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Savoir si ça se confirme. C'est de prendre toutes les cartes. Je vais remettre un petit peu mieux les cartes pour que vous voyez mieux. Ce sera de là. Voilà. C'est trop penché. Bon, ça sort. Alors, j'ai. Oui, bah, vous voyez, j'ai là quand même l'examen. Là, avec la réussite sur ça. Hein. Ce projet se concrétise, énormément de changements. On a beaucoup de changements. Donc, la roue tourne pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous dites que je suis en malchance. Trop de cartes qui sont sorties. Ben là, ça tourne. Regardez. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi le travail. Hein. Oui, parce que vous voyez ici, avec l'enfant, le travail. Alors, ça peut être aussi le travail intérieur sur soi, sur son enfant intérieur. Moi, je vois quand même un changement avec une réussite. Alors, pour certains, il y aura peut-être des examens qui vont se passer très bien. Vous allez réussir. Ici, j'ai quand même de nouveaux projets. Hein. J'ai de l'investissement et une proposition. Donc, pour moi, il y a aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il va engendrer votre déménagement aussi. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, peut-être qu'il y a un travail avec les enfants aussi pour certains. On me parle de peut-être à la rentrée, à savoir ben, en septembre, là ça se met en route, mais vous allez peut-être avoir un nouveau travail au niveau des enfants, je dirais crèche, maternelle, école, enfin bref, il y a tellement de métiers hein, avec l'enfance. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'enfance dans votre travail. Ça peut bien sûr aussi être votre travail sur l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Bon, j'ai ici quand même quelqu'un qui culpabilise, qui souffre un peu, et on a un petit peu de jalousie. Alors, peut-être que dans votre travail précédent, il y a eu des jalousies, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Et là, vous allez avoir l'opportunité, un changement, quelque chose qui va se dérouler, qui va avancer, en tout cas. Oui, vous voyez, on me dit quand même, vous réalisez vos rêves. Hein. On est vraiment sur quelque chose. On a deux fois. Hein. On a les vœux, la satisfaction, le souhait réalisé. On a les rêves aussi. Donc, il y a quelque chose en vous qui est très, pardon, qui est voulu, que vous espérez et qui va se passer en fait. Vous me direz. Parce que bien sûr, ça ne pourra pas parler, tout le monde ne vit pas au même rythme, mais je sens qu'il y a énormément de. Ça se bouscule au portillon chez vous, là, les Gémeaux. Vous êtes sur de nouveaux projets, parce qu'on a vraiment ici le renouveau, la fin de cycle, donc la fin des ennuis, on va vous dire presque, des propositions, des opportunités. C'est pas mal. Bon, alors, je vais utiliser maintenant mon oracle, celui que j'ai créé. Donc, ça s'appelle l'oracle du cœur intuitif. Je l'ai créé à base de photos que j'avais, à base de dessins. Et voilà, je l'ai créé. Je vous ai fait un oracle intuitif dans le sens où les cartes doivent plus ou moins faire évoluer vos ressentis, vous parler, j'allais vous dire. J'ai mis des mots dessus, bien sûr, parce que c'est plus facile à interpréter. Mais j'ai vraiment mis tout mon cœur dans le sens où j'ai remis mes ressentis, la façon des cartes, ce qu'elles pouvaient m'inspirer. Bon, vous voyez ici, ce qui ressort, c'est la trahison. Hein. On vous plante des couteaux, c'est un petit peu comme ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que ici, on a eu de la jalousie. Vous voyez, je vais même la mettre ici parce qu'on sent que y a eu de la trahison. Vous vous sentez trahi quelque part, hein. Par quelqu'un, par quelque chose, peut-être par les jalousies que vous avez eues. Mais vous voyez, vous avez l'arbre. L'arbre, ben, c'est en même temps le bien-être, c'est un petit peu la force, bien sûr. C'est aussi la célébration. Hein, c'est un petit peu, ça va vous remettre, on voit que vous repartez dans la joie de vivre en fait, vous redémarrez quelque chose qui vous inspire, qui est plus pour vous, où vous vous sentez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'invitation ici, je vous la montre. L'invitation avec, ben, c'est un petit peu... Le côté divertissement, mais ça peut aussi vous représenter une nouvelle rencontre. Alors, ça peut pas, c'est pas spécialement peut-être amoureux, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, dans le sens où vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on a quand même ici l'entourage qui vous fait des propositions. Hein, alors, donc, vous allez peut-être rencontrer une personne, discuter de au niveau, et puis vous aurez une proposition peut-être de travail. Allez, qu'est-ce qui sort? Oui, vous voyez, derrière ça, j'ai quand même l'entourage qui ressort. Donc, c'est vraiment une invitation de. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis. Je vous ai mis cette carte, tu n'es pas seule. En fait, tu es soutenue. En fait, peut-être que vous avez vraiment une proposition, quelqu'un qui va vous aider à vous proposer un nouveau travail, carrément, à vous proposer un appartement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Moi, je crois d'ailleurs que le déménagement, il est lié à votre travail en fait, peut-être devoir déménager pour votre travail. On vous dit aussi, hein, c'est ma petite louloute qui dort sur son radiateur, on vous dit ben, il est temps, c'est le repos en fait, il est temps un petit peu de faire une pause, de prendre de la réflexion, de faire des réflexions. Pour certains, ça peut être une rupture temporaire, bien sûr, mais là, je le sens comme plutôt la réflexion. On l'a eu déjà là, cette carte, elle ressort. La réflexion est le temps de réfléchir, de faire votre choix. Et en dos de deck, si vous voulez, bah, j'ai osé prendre des risques, faire le grand saut, il va falloir y aller. Vous risquez de passer sinon à côté de quelque chose dont vous avez énormément envie. Parce qu'on ressent qu'il y a des souhaits, il y a des vœux et que les choses bah, vont se réaliser en fait. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Faites le bon choix, j'allais vous dire.
Bon, alors là, on est sur le professionnel et familial. On va quand même regarder maintenant, bien sûr, le côté sentimental. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Bon, ouais, écoutez, non, ça fait un peu trop de cartes. C'est-à-dire, je ne sais même plus battre les quatre. Je ne sais plus battre les quatre. Celle-là, elle a voulu sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la résolution. Ben, oui, regardez. La résolution des soucis. Ça, c'est vrai, effectivement. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Ça, toutes les choses vont se résoudre. Vous allez avoir des opportunités, des idées. Rien ne va plus. Là, je ne le sens pas mal, en fait, parce que pour moi, rien ne va plus. C'est que ça y est, ça démarre. Il va falloir oser, tenter, prendre le risque. En fait, c'est ça. Il va falloir prendre le risque. Alors, ça peut être au niveau, bien sûr, sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Allez, on va regarder. Donnez-moi des messages. Travail à faire sur soi. Bon, ça, on l'avait déjà vu ici, avec l'enfant intérieur. Au niveau sentimental, il y a peut-être du travail à faire sur vous, un petit peu. Mais on parle quand même de réconciliation. Alors, réconciliation, ça peut être avec l'amour, ça peut être avec quelqu'un, hein. On va regarder ce qu'il sort. J'ai une proposition, j'ai un rendez-vous. Et on vous dit pensez à voyager. Donc on va peut-être vous faire aussi une proposition pour partir en vacances, pour oui. Pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas encore vraiment. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui arrive. Hein. Regardez, j'ai quelqu'un qui arrive. Il arrive et il t'aime. Il arrive ou elle arrive avec son bouquet de fleurs. Donc pour moi, j'ai quand même ici une rencontre parce que regardez, j'ai l'épanouissement dans la relation. Hein. Donc c'est quand même, il y a des choses qui se passent hein, pour vous. Bon, continuez à regarder au niveau sentimental, si on nous donne d'autres. Pour l'instant, on ne nous dit pas encore grand-chose. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver, soit. Mais il y a une réconciliation. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en pause en ce moment. Ce qui fait que. Ben, oui, moi, je pense que c'est surtout vous allez apprendre à aimer les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La consultante, vous voyez, bah, le cadeau de l'univers. Moi, je pense que lui, cette personne, en tout cas, elle, c'est un cadeau de l'univers qui arrive. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties. J'ai l'hiver. Alors, c'est peut-être un peu le sentiment de froideur vis-à-vis de quelqu'un. Il y a encore le déménagement, hein, donc je vous confirme que le déménagement est là. Alors, le déménagement, c'est peut-être pour cet hiver. C'est peut-être une proposition à long terme, j'allais vous dire. Je ne veux pas me fixer sur le temps parce que c'est toujours difficile. Là, regardez, on vous dit prends le temps qu'il te faut. Ce qu'il te faudra, ne pas être dans l'impatience. Prends du recul pour faire le choix, pour faire ton choix et en fait prendre de la réflexion. Donc c'est marrant parce que c'est quand même sorti trois fois la réflexion. Hein. Il est temps que vous réfléchissiez, j'allais vous dire. Important avant de faire votre choix définitif. Bon, qu'est-ce qu'on. Beaucoup de cartes qui sortent. Ça sort. Ça sera mieux. Allez, voilà, ça c'est sorti. J'ai le dirigeant, le directeur. Donc peut-être que ça va être aussi un nouveau poste, quelque chose qui va vous amener à une pole position, j'allais dire. En tout cas, j'ai l'impression que dans ce changement de travail, vous allez prendre du grade un petit peu. Bon, ça ne résout pas toujours nos problèmes de cœur. Alors, on va aller voir avec le langage amoureux pour voir si là, ça nous donne un peu plus d'informations pour vous, les Gémeaux. Allez,
Donnez-moi des réponses pour l'amour pour les Gémeaux. J'ai la jeunesse, la gestation. Donc, il y a des choses qui se mettent. Alors, l'immaturité peut-être, mais il y a des choses qui se mettent en place. En fait, on sent que, bon, même amoureusement, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à rencontrer quelqu'un. On a l'entourage familial hein, quand même. On a l'environnement, on a le clan. Peut-être que c'est un handicap pour certains. C'est peut-être une bénédiction pour d'autres. Parce que j'ai quand même l'immaturité. Donc, j'ai peut-être quelque chose d'un peu... On a l'invitation amoureuse. Ça fait deux fois qu'elle sort. Il y a des sorties, des fêtes, de l'amusement. J'ai une compréhension nouvelle. Il y a des explications. La leçon de la vie. Alors, je pense quand même qu'il y a eu une séparation. Il y a eu un break quand même pour vous. Et j'ai le cadeau surprise. L'inattendu. C'est encore le vœu exaucé. Hein, parce que, vous voyez, c'est un événement heureux. Il y a quelque chose qui se passe hein, pour vous. Mais dans tous les domaines, hein, j'ai l'impression, les Gémeaux, là, on me fait un... vous allez jouer au loto, hein, s'il vous plaît, parce que vous avez gagné. Oui, vous voyez, on a la rupture quand même. Donc, c'est pour ça qu'on avait ici la réconciliation, le silence, la crise. C'est ça que je sentais qu'il y avait quand même, il y avait quand même un petit problème au niveau amoureux. Alors, on va quand même regarder avec graines d'amour. Peut-être que cette relation, il y a eu une certaine immaturité de la part de l'un de l'autre. Et puis, certainement aussi, peut-être, le poids de la famille un petit peu. Donc, on a plus ou moins rompu. Et là, il y a, j'allais vous dire, une personne qui va revenir. La personne va revenir ou vous allez y retourner, j'allais dire. Il y a une invitation amoureuse. Dans le sens où, on va, au cours d'une sortie, on va proposer de se revoir. Et là, il va y avoir une compréhension nouvelle. Pour moi... Il va y avoir on va parler, on va peut-être mettre à plat les non-dits. Et ça va être comme un peu... c'est tellement inattendu, vous allez découvrir une nouvelle personne, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec graines d'amour. Donnez-moi des messages. Pour les Gémeaux. Non, pas. Ça rend pas cash. Donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Oui, il y a un petit peu cette solitude. Hein. Il y a un petit peu le sentiment d'abandon. C'est ce que je vous ai dit, la première carte qu'on sentait ici, il y avait la trahison, la culpabilité. En fait, ça revient là-dessus. Ça, c'est peut-être aussi sur votre histoire d'amour qui s'est arrêtée un petit peu. Mais moi, je pense qu'elle va reprendre. Hein. Vous voyez, on a l'amour informatique, les vidéos, photos. Peut-être vous avez aussi beaucoup été sur les réseaux. Ou vous êtes peut-être trop moins vu personnellement, moins investi dans la relation, plus dans l'image de l'autre, en fait. Et vous n'êtes pas assez intéressé à la personne directement. Un petit peu ça qu'on me dit. Bon, j'ai la licorne quand même. Hein. Donc, respire, je te protège. Donc, vous voyez, il y a quand même... Bon, respirez, les choses vont changer. Que j'ai quand même les projets, hein, vous voyez. Et on a encore la maison. La vie commune. Donc, peut-être que justement... j'ai l'impression que le déménagement est lié à beaucoup de choses. Peut-être le travail, peut-être l'amour. En tout cas, pour moi, c'est sûr, il y a un déménagement. Hein. C'est clair. Mais... La consultante, deux fois qu'elle sort. Et j'ai le plaisir charnel. Alors, c'est plaisir de la chair, c'est le Kama Sutra, c'est bien sûr le sexe. En tout cas, bon, c'est pas une relation qui était platonique, on va dire. Mais on a toujours la jalousie qui ressort. Alors, peut-être que l'un d'entre vous a été trop jaloux parce que l'autre, peut-être, montre trop de son image. C'est, comment vous dire, quelqu'un, peut-être quelqu'un qui...
Je ressens une personne qui est très axée sur son image, sur l'image qu'elle donne aux autres. Et comme c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une certaine, peut-être connue, ou, vous voyez, c'est quelque chose dans ce genre-là. Et j'essaie de remettre un peu plus de lumière. Excusez-moi, un petit peu sombre dans cette pièce d'un seul coup. Donc, moi, je ressens quelqu'un qui fait plus attention à l'image qu'elle donne à l'extérieur que de l'intérieur. Et ça engendre peut-être que vous êtes connu, l'autre est connu, peut-être qu'il y a une personne très belle, peut-être que c'est quelque chose, une attraction dans cette personne qui fait que les gens se précipitent. Et ça vous. Il y a une jalousie qui s'installe. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça, c'est peut-être l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de rupture, parce que on sent qu'il n'y a pas eu. On a pris trop superficiellement cette relation. Vous voyez, on aime différemment aussi. Peut-être que justement, vous ou votre autre était plus attaché. C'est ce que je dis. Il y a deux rythmes. Il y en a un qui aime peut-être plus que l'autre, l'autre qui fait peut-être plus attention à son extérieur. Et là, bah, il va falloir changer les choses. Parce que vous voyez, là, on est quand même dans le célibataire, la réflexion, l'introspection, l'amour de soi. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça. Peut-être que c'est vous qui êtes très proche de votre image, ou c'est de votre autre, et cette personne qui a l'air superficielle va réfléchir là-dessus et va revenir peut-être sur sa façon de voir les choses. Ouais, parce que vous voyez, ça mène à la crise, hein. Il y a une certaine dépression hein, à cause de tout ça, hein. Mais il y a le retour, hein. Oui, définitivement. Il y a le retour de cette personne, il y a le retour, peut-être c'est vous qui retournerez vers cette personne. En tout cas, il y a le retour, parce qu'on sent que ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse quand même. Il va falloir la lâcher, cette angoisse. En fait, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir passer. Il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir sur cette relation. Moi, je pense que c'est pas une histoire finie, mais c'est pas non plus une histoire qui s'est. Je pense que ça s'est un peu terminé, hein, j'allais vous dire presque sur un malentendu. Il y a eu de la jalousie. Peut-être que vous avez cru des choses, ou que l'autre personne a cru des choses. Et en fait, il va falloir en parler. Et là, on vous dit, vous allez avoir. Alors, je ne sais pas si vous allez vous remettre ensemble. Il y a de l'espoir, mais on ne me dit pas que vous allez vous remettre ensemble. Mais en tout cas, vous allez en parler, vous revoir et mettre les choses à plat. Le retour est là. Alors, pour certains, il y aura quand même. Vous allez vous remettre ensemble. Pour d'autres, je pense qu'il y aura plus une discussion. Malgré tout, on a quand même ici des vœux qui se réalisent, des choses qui se passent matériellement. Ça, c'est clair. Et l'amour, c'est un petit peu, j'ai l'impression en ce moment, un peu second degré. C'est pas votre principale activité, on va dire. J'ai l'impression que pour l'instant, vous avez tellement de choses à régler que l'amour, c'est un petit peu à côté. Mais malgré tout, on sent que vous avez quand même envie de régler certains problèmes. Bon, alors on va regarder, je vais vous tirer une dernière carte pour essayer de résumer la situation avec l'oracle de la rose. Pour les Gémeaux, moi, un message. Sub Rosa. Il y a beaucoup de mystères, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. En fait, vous êtes en phase de, comme je l'ai dit, de métamorphose. Vous êtes en phase de lâcher prise. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Je crois que vous n'avez pas fini votre avancée. Et en fait, il va falloir, j'allais vous dire, il va falloir apprendre et enseigner. C'est un petit peu ça. Il va falloir apprendre de ses erreurs et enseigner peut-être à l'autre pour avancer. C'est un petit peu ce côté, j'apprends, je suis en métamorphose, j'avance lentement, mais j'avance. Et surtout, beaucoup de réflexion. Voilà les Gémeaux, c'était pour vous de ce tirage. J'espère que ça vous a quand même parlé.
N'hésitez pas à me mettre vos retours. Mettez un petit like si vous avez aimé. C'est pas une obligation, hein, bien sûr, mais ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de s'abonner ou qui n'ont pas envie, mais ça vous plaît quand même, si vous décidez de le faire, ben merci d'avance. Voilà. Merci d'avance pour tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui me suivent. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardée. À bientôt. Au revoir.